Il y a plusieurs histoires de l'Afrique ancienne. Comme je le dis dans l'introduction du volume, l'Afrique est un continent géographique, mais c'est plusieurs continents d'histoire. Et à cet égard, il aurait été très difficile pour un seul historien ou une seule historienne d'écrire toute l'histoire de ce continent. Et d'ailleurs, j'ai fait appel à des collègues, souvent les seuls spécialistes de leur domaine, français pour certains, étrangers pour d'autres, qui ont tous rédigé des synthèses sur des formations politiques, des royaumes, des empires, ou des processus, ou des phénomènes culturels, ou des phénomènes civilisationnels à travers l'Afrique, pour être certain de ne pas laisser de côté ces continents d'histoire. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus de promouvoir une Afrique en morceaux, une Afrique fragmentée, mais au contraire de montrer comment ces continents sont articulés les uns aux autres et comment l'Afrique est elle-même, à différentes époques, articulée avec des mondes extérieurs. On s'est appuyé sur des sources écrites externes, qui produites par des géographes grecs ou des géographes arabes ou des géographes persans. On s'est aussi appuyé, lorsqu'elles existent, sur des sources internes produites par ces sociétés, parce que l'Afrique a des sociétés qui ont connu des systèmes d'écriture et qui ont développé des systèmes d'écriture et qui ont développé de l'écrit. C'est le cas en particulier de l'Éthiopie depuis le Moyen-Âge, mais c'est le cas aussi d'autres sociétés africaines. Et puis on s'est appuyé aussi, comme souvent en histoire africaine, sur toute une gamme d'autres sources, notamment les sources mobilières, les sources archéologiques, mais aussi d'autres domaines, d'autres types de documents, comme par exemple les langues, ou la génétique, ou la botanique, ou d'autres types de sources. Le métier d'historienne ou d'historien de l'Afrique, c'est un métier consistant à faire feu de tout document pour arriver à reconstituer une histoire qui joue forcément sur ces fragments, sur les narrations qui permettent d'unir et de lier ces fragments, mais qui permettent aussi de raconter diverses histoires à différentes échelles de temps et à différentes échelles géographiques.